Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock. Il y a 6 ans, je vous proposais Test Drive, les essais routiers. Et ben ça y est, je m'y remets, il était temps, épisode 2 après 6 ans, le premier de la nouvelle formule. Et aujourd'hui, on va tester, non pas, comme dans le premier épisode, une Mazda MX-5, mais un cheval cabré. Pas celui que vous pensez, puisqu'il s'agit d'une voiture allemande qui nous vient de Stuttgart. Et oui, il y a un cheval cabré sur son logo, c'est une Porsche Boxster 986. Et c'est Thierry qui nous présente sa voiture aujourd'hui. Salut Thierry, comment vas-tu et comment va ta voiture? Salut Gaëtan, ça va bien. Alors la voiture donc, c'est une Porsche Boxster 986, moteur 2,7 litres, donc deuxième version, 220 chevaux, de 2002. Donc voilà, donc Boxster, moteur central arrière, voiture qui plaisir, qui roule en fait comme un kart sur la route. Hein, moteur central arrière, donc vraiment... Le poids, l'équilibre vraiment au mieux pour tenue de route. Un moteur central arrière qu'on ne pourra pas vous montrer puisque comme souvent sur les voitures récentes, il est caché et pas que par des caches en plastique. Là sur le coup, il est là-dedans coincé dans tout ça. Donc on ne pourra pas le voir, mais par contre on pourra l'entendre sur cet essai. Tu l'as acheté, cette voiture, d'occasion? Oui, donc je l'ai acheté il y a là maintenant un peu plus qu'un an. Je me suis fait un petit plaisir pour mes 60 ans, tout simplement. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie d'une Porsche. Bon, on commence par un Boxster. Et c'est vraiment une voiture très amusante à rouler, à piloter. Donc c'est vraiment très gai comme voiture. Elle a 21 ans, mais elle roule dans la circulation de tous les jours. Tout à fait normalement, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Donc non, je dirais que le petit avantage d'un Boxster, c'est que, du fait que c'est un cabriolet, mais aussi qu'il y a deux coffres. Hein. Il y a un coffre avant qui est quand même assez grand, assez profond, puis il y a un petit coffre arrière en plus, voilà. Et alors au niveau de la vitre arrière, on retrouve un plexi de 15 000 à 50 000 euros. 50 000 euros, c'est les versions un peu plus récentes, peu kilométrées, en parfait état, du Cayman, je suppose, ou du Boxster S. Du 987, du S, voilà. Alors on peut voir quand même qu'on a un accès minimal au moteur, puisque dans le coffre arrière, nous avons les jauges, avec les niveaux. Et c'est la seule chose que vous pourrez voir du moteur aujourd'hui, puisqu'on n'est pas outillé pour démonter une Porsche, et puis que même si on était outillé pour la démonter, il faudrait pouvoir la remonter après, puisqu'il faudrait quand même que Thierry puisse rentrer chez lui. Thierry, là on va parler un peu de toi, puisque alors, les personnes qui suivent Drift Gécréation connaissent déjà un peu Thierry, puisqu'il est le GPS, j'ai envie de dire, des balades de Brennan Ancienne, des matinales et des journées complètes, que c'est toi qui réalise les tracés des balades. Mmh. Et on passe également le bonjour à Brigitte, d'ailleurs, qui est également là sur les balades, et qui s'occupe de l'accueil des participants. Et tout un tas d'autres choses, les réseaux sociaux, etc. Évidemment, je place la petite pub, c'est volontaire. Vous trouverez bien sûr les liens de Brennan Ancienne dans la description de la vidéo si vous avez des voitures anciennes, Youngtimer, Oldtimer, des GT d'exception ou des Camryo. On remarque évidemment la petite particularité des Porsche, c'est que le barillet de contact est du côté gauche. Alors, c'est pas pour ne pas faire comme les autres. Hein. Ils ont fait ce système tout simplement pour les 24 heures du Mans, entre autres. Ou pour le démarrage à l'époque, vu qu'on partait de l'autre côté de la piste, jusqu'à ce qu'un certain Jacques X décide de ne pas courir, on partait de l'autre côté de la piste, on courait vers la voiture, on la démarrait. Oui, quoi qu'en 69, quand Jacques X n'a pas couru pour monter dans sa voiture, et qu'il a gagné finalement, donc il est parti bon dernier, il a quand même gagné la course, mais il avait une centaine de mètres d'avance sur le deuxième, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais le temps de traverser une piste aussi large que le Mans, ça fait au moins un tour en voiture. N'exagérons pas. Ce que j'aime beaucoup déjà sur le Boxster, c'est l'écriture qui a été choisie pour les contours. C'est l'écriture qu'on trouve sur les 911. Et le petit clin d'œil qui fait plaisir. Voilà, il est très lisible. Donc, Très lisible, le fond des compteurs blancs, qui était à la mode à l'époque sur les voitures de sport. Puis on remarquera la source. CD, je suppose, pour le lecteur radio. Oui, radio et lecteur CD, oui. On voit que c'est la source d'origine, c'est encore écrit Porsche dessus. Ouais. Alors que à côté, tu as un petit accessoire qui n'est pas très allemand, dis-moi, le port USB de charge. Tu sais qui s'assied à ta place d'habitude et en fois une roule, donc... C'est ça. Je n'ai pas tout compris. Alors concernant la partie supérieure, on va dire, de la console centrale, donc on a les commandes de clim. Elle fonctionne toujours, la clim? Tu as dû faire une recharge? Il faut faire une recharge. En même temps, 20 ans, voilà. Ça peut se comprendre. Et alors, on retrouve par contre, de part et d'autre de la clim, des autres boutons. Donc il y en a un, celui du bas, juste au-dessus de la prise USB, c'est pour décapoter. Ça, c'est pour la capote. On a donc le dégivrage arrière juste au-dessus. La clé, l'alarme peut-être? Non, c'est la fermeture. Pour fermer la voiture de l'intérieur.
C'est vrai qu'il n'y a pas, le petit bouton au niveau des portes, donc du coup ça se fait uniquement de par là. Et puis nous avons de l'autre côté PSM off. PSM, si je dis pas de bêtises, c'est le SP de Porsche. Contrôle de stabilité, quelque chose dans ce genre-là. Je pense. Et donc il y a des options manquantes puisqu'il y a des boutons où il n'y a pas de dessin dessus. Oui, bah, tout le monde sait que chez Porsche et chez les Allemands, les Allemands, effectivement, la liste des options, elle est longue. C'est souvent très très long, effectivement. Donc voilà, donc oui, il y a sans doute des options qui pouvaient se rajouter encore. Hein. Alors je vois que, a priori, c'est écrit en allemand, mais je suppose que c'est le régulateur de vitesse qui se trouve derrière le commando du bas. De ce côté, ici. C'est l'autre côté. Alors ici, tu vois aussi. Oui, c'est ça. Pas. Et alors on a des petits rangements. Siège chauffant aussi d'ailleurs, on voit entre les deux sièges, oui. Les vitres électriques évidemment. Alors, à l'époque, même sur une Fiat Punto, il y avait les vitres électriques. Et donc la petite boîte à gants qui ferme à clé, oui. Comme toujours sur les rosters. Comme on dit, vraiment petite. Hein. Effectivement, la boîte à gants, mais on sait quand même mettre un grand pot de chewing-gum. Voilà. Et il y a encore de la place, donc il y aurait quand même moyen de mettre peut-être une paire de lunettes ou des choses comme ça dedans. Oui, voilà, mais pas grand-chose de plus, je pense. C'est toujours mieux que rien, on va dire. Mmh. Et puis je vois qu'il y a aussi un petit rangement à l'arrière entre les deux sièges. Oui. C'est littéralement une boîte à gants pour mettre une paire de gants. Je dirais que comme il n'y a pas de boîte à gants devant, voilà, il y en a une là. Ah d'accord, oui, donc ça c'est uniquement c'est l'airbag et la partie basse ne s'ouvre pas, j'avais pas fait attention. Non. Des petits vide-poches sur le côté. Des voilà, petits. Bon, voilà, pas si petits que ça quand même, hein, parce qu'ils ont l'air petits comme ça. Mais on sait ouvrir, donc il y a quand même de l'espace. On sait mettre une ventouse du GoPro dedans quand même. Voilà. Et si vous avez la GoPro rentre aussi. Alors ici tous les témoins sont allumés, t'as un check au démarrage. Et il y a des témoins qui restent allumés. Oui, ben, principalement le témoin de l'airbag. Voilà, bon, ben, c'était comme ça quand je l'ai acheté. Et c'est typiquement le genre de dysfonctionnement que si on veut vraiment trouver la source, je pense qu'on est parti pour une belle galère. Donc, D'ailleurs, en parlant d'airbag, on peut aussi noter le design du volant, qui est très Porsche finalement. On retrouve un peu le design des Porsche des années 90. Non, mais si, je pense, mais je peux me tromper, à vérifier que c'est un volant sport. On reconnaît toujours le design Porsche avec ses légers pincements du volant sur les bouts des branches. Donc elle a été présentée en 93, faut pas oublier ça. En 93, je crois, à Détroit, au salon de Détroit. Juste le prototype de présentation. Et je crois qu'elle est sortie avant la 996. Alors on va continuer de discuter de la voiture en roulant. Ceux qui découvrent le concept, je vais donc m'installer au volant de la Porsche. Thierry va rester à côté de moi. Et puis on va faire un petit tour, on va continuer de discuter. Et puis on se retrouvera ici même en fin de vidéo avec la petite conclusion. J'ai pas calé. Oui, le progrès. Ouais. C'est pas une diesel, hein, faut donner un peu de gaz, tu vois. Oui, mais je conduis très rarement des diesels. Et d'ailleurs, la Toyota était aussi une atmosphérique, mais la plupart des voitures que je conduis, l'embrayage, dès que tu commences à relever, ça commence déjà à patiner. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que ta zone d'embrayage, il y a quand même une plus grande zone où il ne patine pas encore. Et ensuite, il y a moins de marge du coup où il progresse. Un peu moins progressif. Après, c'est une voiture un peu plus sportive aussi, donc ça peut être normal. Je vois ici qu'il y a une ligne dans ton pare-brise, tu as vitre chauffante ou l'antenne de la radio peut-être. Je ne sais pas, je pense plutôt que c'est l'antenne. Ouais. Et alors une zone rouge à 7000 tours minute. Oui. Moteur qui monte bien dans les tours, forcément, moteur quand même sportif. Puis oui. Au niveau son, c'est vraiment une fois qu'on passe les 5000 que ça donne vraiment le oui. Son comme on aime bien entendre. Je me doute effectivement, pour l'instant elle est plutôt sage. Je suis en 5e à vitesse légale, hein. Je suis même pas à 90, je suis à 80. Et d'ailleurs ça c'est un élément qui m'étonne un peu, c'est une boîte 5, c'est pas une boîte 6. Ouais, non. Il y avait une boîte 6 sur la version Boxster S peut-être. Peut-être sur la S, oui. On sent quand même que la voiture a été conçue comme une voiture de sport, parce que même l'embrayage est plus ferme que sur la plupart des voitures, je trouve. En fait, tout est plus ferme que dans une voiture traditionnelle. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ton daily. Oui, ça m'a rien à voir. Il y a une direction assistée quand même sur la voiture. Oui. On est là pour entendre le moteur de toute façon.
Bah, le son du moteur fait partie du plaisir de rouler en Porsche. Maintenant, il ne faut pas que ce soit que ça en devienne gênant, mais ici c'est pas le cas du tout parce que c'est relativement discret et il faut vraiment monter dans les tours pour commencer à avoir vraiment le bon son qui va bien. J'ai l'impression que ça fait partie de l'identité des moteurs boxeurs, puisque les Subaru aussi qui ont des moteurs à plat. En tout cas, les anciennes Subaru, avant qu'on mette des catalyseurs dans tous les sens et que ça étouffe le bruit, les anciennes, les premières Subaru Impreza, les Legacy RS dans les années 90, à 50 km/h, sur un filet de gaz, ça ronronnait déjà. Oui. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher le rupteur. On l'a peut-être pas bien vu avec le masque, mais oui, c'est sympa la sonorité quand on libère un peu. C'est des abonnés peut-être qu'ils me connaissent en fait. En conclusion, on a là une voiture utilisable au quotidien, même si les commandes sont un peu plus fermes que sur la plupart des véhicules. Le Flat 6 chante bien. Heureusement, car avec la boîte 5, il prend un peu plus de tours à vitesse stabilisée, donc on l'entend un peu plus quand même. Les coffres sont spacieux, 260 litres pour un roadster, c'est quand même très bien. Les rangements intérieurs sont de leur côté, par contre, peut-être un peu chiche quand même. Le look est intemporel et puis surtout, le rêve Porsche est potentiellement à votre portée. C'est un investissement sûr en plus, vous pouvez la trouver à partir de 15 000 euros et peut-être que vous arriverez à la revendre 15 000 euros aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà qui signe donc le test drive, les essais routiers de cette Porsche Boxster. Merci Thierry pour ta participation à la vidéo. Pas de rien, c'était un plaisir. On rappelle donc que si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le Boxster et parler avec Thierry, vous le pouvez en participant au matinal de Brenne en Ancienne, dont les liens sont en description. Et puis, Thierry, on se reverra puisque tu as également une autre voiture. Oui, donc une BMW Touring 2000 de 72. Et donc elle fera l'objet d'une prochaine vidéo également. Ce sera, si je ne dis pas de bêtises, ma première au volant d'une BMW, donc c'est l'émission des premières. Tu vas changer de marque alors du coup. On va changer de marque, oui effectivement. On fait un petit peu toutes les marques de toute façon sur ces test drive. Vous allez le voir puisque j'ai déjà quelques modèles qui m'ont été proposés qui sont assez sympathiques, avec une belle variété de marques, beaucoup de japonaises et d'allemandes quand même. Donc si vous avez d'autres marques à me proposer, bien, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je reprendrai contact avec vous. Et puis j'espère que ce format vous plaît. Premier épisode de la nouvelle version de Test Drive. Il y en aura d'autres qui vont arriver approximativement tous les mois. Et puis, il y a également un autre concept de vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais le sujet de la première vidéo sera Porsche. Et oui, on va rester dans le thème de cette vidéo avec le Boxster pour ce qui sera probablement l'une des prochaines vidéos sur la chaîne Le Paddock. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, laisser le petit commentaire ou le partage sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche notification, activer toutes les notifs, attention, je vous surveille. Et puis, merci également aux membres soutien de la chaîne, dont les noms s'affichent sur le côté de l'écran, qui ont permis de relancer ce concept sur la chaîne. Sans eux, peut-être que cet épisode n'aurait pas vu le jour. Si vous souhaitez faire un don, il y a le Utip ou le bouton rejoindre qui s'affiche sous la vidéo. Et puis, d'ici le prochain épisode, le mois prochain, portez-vous bien. Ciao. Eh ben, décidément. Ah!